essayer de réfléchir ce soir à la façon lévinassienne de se rapporter à la philosophie et à sa tradition. C'est une question euh, qui, par elle même, ne, ne détient aucune originalité particulière et c'est une question sur laquelle euh, Lévinas lui même euh, n'a pas cessé de revenir, c'est une question qu'il n'a jamais cessé de, de méditer. Euh, Lorsqu'on se pose cette question, du rapport de Levinas à la tradition philosophique, on a, on a en tête évidemment la façon euh, qu'a eu Levinas de se rapporter lui même et de rapporter l'éthique euh, à la tradition de la métaphysique occidentale, à l'ontologie comme philosophie première, dans sa, dans sa structure, dans ses modalités propres. Ce n'est pas en direction de cet examen que je voudrais m'engager ce soir pour le réexaminer à mon tour. Je ferais plutôt comme si euh, était acquise cette détermination générique de, de la philosophie comme pensée logique, déployée depuis le Leibniz, rassemblant jusqu'à la pure logique du concept. Je dis, je dis que je ferais comme si. Ce, ce, ça ne signifie évidemment pas du tout que la détermination en question soit acquise et qu'il n'y aurait pas à y revenir. Euh, il y aura toujours à y revenir. Mais ça signifie que je voudrais porter euh, mon questionnement euh, de façon un peu oblique euh, ailleurs. Il y va plutôt, je dirais la chose comme ça en première approximation, d'un d'un étonnement depuis ce cet acquis ou ce, 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 ce comme si c'était acquis. Au fond, on peut se demander pourquoi. Depuis cette détermination de la philosophie, Lévinas n'a pas entrepris d'en finir avec la philosophie dans ses modes reçus, dans ce qu'elle dit. Et comment comprendre donc ce qui ressemble au premier abord à un paradoxe Puisque Lévinas n'entend en effet en aucune façon sortir. Euh, de la philosophie, appareillée vers un autre continent pour reprendre une image qu'on a, qu a appliquée à Marx cet autre continent ça pourrait être pour Lévinas l'éthique, il ne s'agit pas davantage pour Lévinas de, de combattre ce qui ferait de la philosophie selon sa détermination ontologico-métaphysique l'ennemi la plus acharnée de la pensée pour reprendre une formule fameuse comme, comme, comme Heidegger donc il me semble que le geste de Lévinas qui n'est pas sans rapport avec les deux gestes auxquels je viens de faire allusion, Marx et Heidegger, et sans doute avec quelques autres, il me semble donc que ce geste euh, y est hétérogène. De la philosophie, Lévinas porte au-delà d'eux-mêmes les contenus. Les contenus, c'est-à-dire la quête et l'expression de la vérité. Terme qu'il faut désormais entendre, si je puis dire, avec un certain nombre de guillemets, les guillemets que, qui sont ceux de Levinas et les guillemets qui s'imposent, euh, quête, expression de la vérité, donc, dans un certain nombre d'énoncés ontologiques qui informent les contenus en question. Ce faisant, on pourrait dire qu'il déporte la vérité de cette quête et de cette expression vers ce que lui-même appelle. Le toujours d'une promesse, d'un futur, d'un amour à venir. La vérité se promet, je cite une phrase d'autre manquette. La vérité se promet, toujours promise, toujours futur, toujours aimée. La vérité est dans la promesse et l'amour de la sagesse. Il y a, pour décrire la chose en première approximation et de façon rapide, je crois qu'il y a chez Levinas un écart entre s'agissant de son rapport à la philosophie, bien sûr, un écart entre destitution et insistance, destruction et surcharge, comme un écartement de la philosophie avec elle même, euh, à même elle même, de quelque façon, d'où l'ambivalence foncière qu'il y a à parler de la philosophie de Lévinas, qui est une formulation instable puisqu'elle saisit euh, à la fois le maintien du mot même de philosophie, quitte à la sortir de guillemets comme fait euh, souvent Levinas, et le déplacement à même le mot de philosophie d'une de ce qu'on ce qu appellera une premièreté euh, à une autre, de l'ontologie comme philosophie première à l'éthique comme philosophie première. Déplacement dont on peut se demander s'il n'est pas euh, tout à fait problématique euh, pour le maintien lui-même, pour le maintien du mot de philosophie lui-même et pour le déplacement euh, quant à son statut, euh, à même le maintien du mot, si je puis dire. C'est à partir de cette ambivalence qu'il est requis de lire, par exemple, je, avec une, une certaine complexité, euh, et pour éviter de s'égarer sur ces, sur ces points de, de Lévinas, euh, je, je songe à l'interprétation qui est très ambivalente que donne Lévinas de l'anti-platonisme contemporain ou de sa lecture de l'anti-humanisme théorique. Euh, et ces lectures, ces interprétations, euh, je crois qu'il importe de les comprendre comme des indices sans doute conjoncturels euh, d'un exercice philosophique qui se contredistingue à la fois de tout acquiescement et de tout enrôlement dans l'époque, euh, et en même temps de toute restauration ou de toute réaction intempestive contre l'époque. À sa façon tout à fait propre, tout à fait irréductible, Lévinas tente d'inventer une caractérisation inédite, inédite de la philosophie et euh, d'en repenser les déterminations dans quoi la sienne de philosophie viendrait euh, faire euh, entame, en quelque sorte, qu'elle viendrait interrompre interrompre, c'est à dire désynchroniser en, en rejouant le déphasage temporel du sensible, du dedans même du logos, du dedans même de l'identification du, lo du logos. On comprend du coup que Lévinas n'est pas à combattre frontalement l'antique définition de la philosophie comme amour de la sagesse. Au contraire, je dirais, euh, de quelque façon, il surdétermine cette définition, on pourrait dire qu'il en rajoute de quelque façon, c'est à dire qu'il la laisse peser de tout son poids, afin qu'elle ne puisse plus retenir ou contenir ce qui, ce qui signe, ce qui consigne son arrêt en ontologie ou en théologie, c'est à dire en vérité de la logique. Euh, en véritologie, pourrait-on dire, si, en, en, si on peut se permettre un, un barbarisme aussi, aussi mauvais et aussi douteux. Il y va donc continuellement de la question de la vérité, de rien de moins et il n'y a pas lieu de s'en étonner comment pourrait il en être autrement en philosophie. La vérité vient donc en question la vérité comme adéquation la vérité comme dévoilement, la vérité comme objet saisi dans une objectivité, euh, ou la vérité comme geste même de cette saisie énonciatrice. Comment se joue alors la surcharge de la philosophie dont je viens de parler, ce que Levinas nomme, ce sont des expressions que vous connaissez sûrement, son emphase ou encore son exaspération par, je le cite, par excès de l'expression, cette emphase et cette exaspération consistant à, je le cite encore, passer d'une idée à son superlatif. Il s'agit donc non moins ou pas du tout de promouvoir ou de s'avancer vers une fin de la philosophie, qui serait encore bien trop métaphysique, que d'accompagner l'effort patent de la philosophie jusqu'à l'exaspérer selon la surenchère qui l'anime en propre, jusqu'à la rappeler à l'oubli du dire comme de son passé immémorial, oubli qui se dit chez Lévinas sous une série de vocables, sophisme, trahison, dissimulation. S'il y va de la vérité, en quoi consiste-t-elle Elle consiste, avant tout énoncé, je cite, là encore, je vous donne la phrase qui... Qui, qui, qui est le point de départ de cette réflexion de ce soir, euh, dans Autrement qu'être, le philosophe cherche et exprime la vérité. La vérité consiste en l'exhibition de l'être, mais qu'est-ce qui se montre sous le nom d'être dans la vérité et qui regarde? La vérité consiste donc dans cette exhibition de l'être. Elle questionne sur ce qui se montre sous le nom d'être dans la vérité. Et elle questionne aussi sur qui regarde ce qui ainsi se montre. L'exhibition de la vérité vaut originairement comme immobilisation dans la monstration même d'un dit. D'un dit qui la fixe et qui la fixe justement dans une premièreté. Au sens d'une philosophie première. Cette premièreté fait de la vérité l'origine du questionnement philosophique. Et cette premièreté qui fait de la vérité l'origine du questionnement philosophique ne se peut que comme, je cite Lévinas, primauté même du premier dans la présence d'un présent. Ce qui vaudrait tout autant, à mon avis, pour l'éthique, substituée à l'ontologie comme philosophie première. On a affaire là à une sorte de troc tout à fait improbable d'une origine contre une autre. Alors, cette premièreté, euh, elle va se dire de façon privilégiée comme corrélation, coïncidence du constituant et du constitué, recueillement et rangement, dit Lévinas, d'une pensée qui penserait toujours le monde à sa mesure, selon, je le cite encore, l'accord et l'unité du savoir dans la vérité. La vérité de la philosophie, mais bien sûr, il n'y a euh, au sens strict de philosophie que comme philosophie de la vérité la vérité de la philosophie, c'est donc la commensurabilité, la pure commensurabilité de, de l'effectivité du réel, si on veut, et euh, de sa pensée dans un présent, dans un présent si présent que la présence de la vérité ou du pensable s'avérerait euh, comme son effacement même présence si présente que sa présentation devient inutile cette présentation c'est la conscience elle même. la vérité n'est jamais aussi vraie que lorsque l'être se montre et qu'il se montre si bien euh, à l'être lui même que sa présence n'a plus même à être exhibée. elle est là dans ce que levinas nomme euh, souvent le silence du discours le silence du discours ce silence du discours, ça n'est absolument pas quelque chose qui serait ineffable, mais quelque chose qui, au contraire, s'apparente, je crois, à une sorte d'hypertrophie du sens. Euh, par la possibilité, je cite là encore Lévinas dans un, dans un passage de ce texte sur lequel je vais m'arrêter assez longuement qui s'appelle Paix et proximité. Euh, possibilité, dit-il, euh, dans, dans ce silence du discours, de tous les retournements dialectiques du bien en mal et du blanc en noir pour devenir un bien encore meilleur et un blanc encore plus éclatant, écrit-il. La philosophie assure donc son prestige d'une synchronie qui n'est rien d'autre qu'un silence, un silence dialectique. Mais un silence dialectique c'est pour ça que je parlais d'hypertrophie du sens où toute signification retourne et se retourne hein euh, le bien et le mal, le noir et le blanc euh, et, leur, et leur synchronisation dialectique. Pour qu'il en soit ainsi, c'est à dire pour qu'il y ait synchronie, il faut que quelque chose comme un décalage, une gravité dit parfois Lévinas, vienne l'inquiéter. Il faut qu'un décalage ou une gravité euh, ait toujours déjà inquiété la philosophie pour la faire seulement être. Il faut qu'un dire d'avant tout dit, un faire être avant l'être, s'impose et laisse être ce que Levinas appelle une déstructure, la déstructure qui est opérée euh, dans cette, dans cette euh, précédence du dire. Or. Ceci ne peut s'imposer que dans un mouvement qui est un mouvement de, de composition, de décomposition et de recomposition. Le dire, je cite Lévinas, est tour à tour affirmation et rétractation du dit. Il faut la philosophie, autrement dit, c'est exactement ce même il faut qui accompagne la justice. Il faut la justice, c'est il faut que la justice appelle comme la philosophie. Il faut donc la philosophie pour que, entre la philosophie et la philosophie, l'être s'écarte devant le désintéressement. Lévinas appelle ce mouvement Desserrer l'emprise de l'être. Il le décrit comme un effort, comme une aventure, comme le refus d'une certaine patience de la philosophie euh, et, en même temps, la patience d'un certain refus de l'ontologie. Les enjeux de ce desserrement sont tout à fait euh, considérables pour euh, la philosophie parce que si la vérité consiste en l'exhibition de l'être, je reprends le propos de Levinas, euh, si elle consiste en une monstration où son essence s'expose. Quelle pratique de la philosophie peut bien être engagée par une opération qui vient disjoindre L'emprise de son exhibition et qui emporte bien plutôt une déprise ou une moindre exposition essentielle. En d'autres termes, le prix à payer par l'opération, pour appeler l'opération du dire, le prix à payer n'est-il pas la vérité elle-même La philosophie n'est-elle quête que d'une vérité qui est déjà là ou déjà promise ou bien a t-elle à partir de la vérité c'est l'expression de Lévinas en particulier dans Paix et Proximité, à partir du vrai, dit il, c'est à dire à s'en exiler, euh, mais tout autant à s'en servir comme d'un levier ou, ou comme d'un levain. La philosophie doit elle on n'est pas loin de la, de la figure à laquelle, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure de la sortie de la philosophie, hein, de l'ausgang marxienne. Euh, la philosophie doit-elle susciter sa propre évasion éthique ou prendre son départ depuis sa, sa base substantielle euh, elle-même Un premier euh, résultat ou une première conclusion c'est encore un peu trop tôt pour en venir aux conclusions, mais un, un premier point, qu'on qu peut rappeler en, en rassemblant un certain nombre de choses que je viens de dire. Desserrer l'emprise de l'être, c'est donc partir de la vérité, c'est-à-dire porter la vérité à la bonne distance interrogative et y déceler une déchirure, ou plus exactement ce que Lévinas appelle dans Paix et Proximité une fatigue, dit-il, voire une menace, dit-il encore. Dans ce texte de 1984, <coughs> Lévinas analyse ce qu'il appelle la contradiction de notre conscience d'Européen. Et cette contradiction est l'indice d'une fatigue de la conscience. Une fatigue qui n'est pas simplement historique, mais qui est aussi historique. Dans le, dans le texte, Levinas nomme, je, le, je, je cite là le... L'énumération qu'il indique guerre mondiale, génocide, holocauste et terrorisme, tout ceci est évoqué dans ce texte, fatigue donc historique, mais également structurelle, c'est-à-dire qu -ce que, que, que peut bien être la fatigue structurelle de la conscience, de notre conscience d'Européen dont parle Levinas, c'est-à-dire autocontestation, en quelque sorte, ou, 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 ou bris immémorial de l'universalité de la raison théorétique autocontestation de l'Europe, de l'européocentrisme. Et la matrice de cette contradiction, qui est celle de notre conscience d'Européens, la matrice de cette contradiction de l'Europe est aperçue précisément dans cette « à partir de la vérité » qui fonde, explique Levinas, la paix d'une humanité décidée, comme il dit, pour la sagesse grecque, c'est-à-dire pour un accordement du divers, pour une conciliation où, je le cite, tout un chacun trouve son repos, sa place et son assise. Je m'arrête euh, encore un peu sur euh, le, le propos lévinassien de 1984, dans Paix et proximité. La vérité, explique Lévinas, à partir de quoi s'instaure la paix du repos, comme il dit, la paix du repos et de la bonne satisfaction est, dit-il, merveille des merveilles. En effet, euh, voilà une vérité qui commande sans forcer, je, je, le, je le cite pratiquement ou, ou à peu près littéralement elle commande sans forcer, dit-il, elle assemble sans asservir, elle convainc sans vaincre. C'est la paix toujours nécessaire en vérité, de la, confirmation, de la confirmation substantielle de soi et de la coïncidence sans dérangement de la conscience avec elle même. Mais il faudrait dire et il faudrait voir, et c'est ce à quoi Lévinas, dans ce texte en tout cas, nous engage que cette paix à partir de la vérité se fait coïncidence pour n'être pas dérangée selon un, un renversement ou un désordre de, des finalités tout à fait singulier, comme si s'attestait déjà par là une diachronie qui viendrait la troubler, une altérité réfractaire à toute unification synthétique qui l'obligerait peu ou prou à la lucidité, c'est à dire qui obligerait cette conscience européenne, comme dit Levinas, de pleine conscience à se faire mauvaise conscience. La paix seconde, celle que commande la vérité, se manifeste comme arrangement de la conscience avec le poids des morts, avec les coups de l'histoire. C'est cette paix, au fond, que décrit classiquement dans l'histoire de la philosophie politique en particulier le, le léviathan de Hobbes depuis le contrat qu'il institue, et c'est bien cette paix comme violence. Euh, euh, Insidieuse ou insidieusement reconduite, qu'ont dénoncé euh, les critiques du contractualisme de, de, de Spinoza à, à, à Rousseau. Contractualisme euh, au bien. Et Levinas relit et euh, réinterroge à sa façon ce mouvement en son entier. Il indique que cette paix se reprend elle-même, forcément, qu'elle en vient à questionner la vérité qui la travaille et qu'elle peut même aller plus haut encore que sont à partir d'eux, ou ailleurs encore, que là où les critiques, je, je, je parlais il y a un instant de Spinoza et, et de Rousseau, là où ces critiques ont cru pouvoir, à leur tour, l'arrêter. Qu'est-ce que ça signifie Que signifie ce, ce, cette réflexion de Lévinas sur la contradiction de l'Europe, la contradiction de la, contra, de la conscience européenne on peut, on peut dire que pour Lévinas, il y a certainement un travail de la vérité un travail historique de la vérité se canalise de façon forte et juste les sciences humaines mais la condition de possibilité de cette histoire de la vérité est extrinsèque il ne s'agit pas dans cette histoire d'une simple inadéquation entre un projet spéculatif une culture si on veut et ses conséquences et ses effets il ne s'agit pas d'un résultat correctible de quelque chose qui serait encore perfectible, d'un progrès encore mal assuré, l'autocontestation ou l'autodéchirement de la conscience européenne, il faudrait dire bien sûr aujourd'hui conscience mondiale ou conscience planétaire, euh, cette, cette, cette euh, autocontestation n'est que le symptôme, dit Levinas, d'une vocation de l'esprit dont l'amour de la sagesse ne traduit pas et ne, ne tarit pas. Les pouvoirs d'amour. Il y a donc une spectralité de la sagesse de l'amour, dans l'amour de la sagesse, que Lévinas cerne en tant que témoignage d'une Europe qui ne serait pas seulement grecque. Lévinas se remémore de façon tout à fait explicite, Husserl, dans ce, dans ce texte, et euh, paix et proximité déterminent la crise de la vérité, c'est le mot qu'utilise Lévinas, comme crise de l'Europe en assignant à son à partir de à partir de la vérité la place dérivée d'un appel certes d'un appel il y a bel et bien un appel et un message de la vérité mais dont on voit qu'il qu serait précédé euh, à bien lire et à suivre Lévinas par un autre appel plus urgent et tout à fait distinct qui ouvre la conscience européenne à ce que Lévinas appelle sa lucidité ou sa mauvaise conscience. Cet appel, qui est un appel d'avant la vérité et d'où la vérité part, est qualifié dans ce texte, dans le même texte, par Lévinas, de moment éthique. C'est une qualification qui ne me paraît pas des plus heureuses puisque Levina s'explique lui même dans, le, dans, les, dans les phrases qui suivent euh, qu'il ne s'agit en aucune façon d'un processus où un moment, le premier moment, serait euh, absorbé dialectiquement dans un second moment, dans, dans le moment successif où, après coup, la violence apparaîtrait rationnellement nécessaire dans l'unité d'une structure générale de compréhensibilité et d'intelligibilité. Ce moment éthique, euh, si on garde ce terme, est donc bien plutôt et je, je préfère les termes qui sont ceux de Levinas euh, est, bien, est, est bien plutôt une façon, dit il, un surcroît, dit il encore, ou aussi une angoisse devant la violence à commettre, angoisse de, devant la violence à commettre bien plus ancienne, bien plus vieille. Que, je le cite, la marche de la vérité promettant en fin de course la paix de l'identité de l'identique et du non-identique. La modalité de cette ancienneté éthique, c'est la précédence, la précession, l'avant la de, c'est ce que signifie ce, le plus vieux que, l'avant de toute vérité. Et cet avant de toute vérité est lui-même une paix où, en tout cas la possibilité d'une paix, mais d'une paix à partir de tout autre chose que la vérité. À partir, je cite, d'une sensibilité où le scandale du meurtre ne se trouve pas étouffé, même quand la violence est rationnellement nécessaire. En analysant donc ce moment éthique de la crise du XXe siècle de la conscience européenne, et dans un cadre qui n'est pas particulièrement original, hein, qui est assez convenu, quand assez présupposé, Lévinas entreprend de rapporter à plus ancien qu'elle les représentations qui envisagent les défaillances de la paix comme le simple raté d'une coïncidence avec l'autre, avec l'autre de l'altérité. Et c'est ce mouvement qui obéit à cette règle de la précession, de la précédence, c'est ce mouvement euh, qui euh, à mes yeux intéresse me semble-t-il au plus haut point la philosophie cette ouverture où l'appel de la vérité s'entend désormais comme l'écho d'une autre voix et même comme un écho qui précéderait encore cette voix venue d'ailleurs venue d'une autre rive engage le philosophe oblige le philosophe à se demander ce qu'il en est de son effort c'est le mot de Lévinas, et d'où provient ce qu'il appelle, s'agissant du philosophe, sa position contre nature. Elle oblige donc le philosophe à quitter la tranquille assurance de son labeur. La question que pose Lévinas dans Paix et proximité reprend le fil de la proposition avancée dans, dans Totalité infinie, donc une, une vingtaine d'années plus tôt, selon laquelle on n'a pas besoin de de prouver par d'obscurs fragments d'Héraclite que l'être se révèle comme guerre. La vérité, en exhibant l'être, comme c'est sa fonction, son office, exhibe une guerre et une paix solidaire. Et cette solidarité, à vrai dire, serait la vérité de la vérité, la vérité de toute métaphysique. De l'adéquatio rei et intellectus à la réconciliation, à l'affaire zenung hegelienne Et euh, le, 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 les vocables sous lesquels tout ceci se laisse lire, comprendre, interpréter dans l'histoire de la philosophie sont innombrables. Égalité, identification, recouvrement, appropriation, concordance, constitution, thématisation, corrélation, noèse-noème, ou cause-effet, et passé-présent, etc., etc. Il y a donc là. Euh, vous le voyez, une torsion de la philosophie. Cette torsion, ce qui est engagé par cette torsion lévinassienne de la philosophie, on peut essayer de le dire euh, d'un mot qui est proposé par paix et proximité, mais qu'on retrouve euh, assez, de façon assez récurrente euh, dans, dans bien d'autres textes. Un mot qui signifie peut-être tout cette, ce que lévinass s'appelle effort contre nature. De, de la philosophie ou de la pensée éthique, et ce mot c'est réfractaire je cite paix et proximité paix ainsi indépendante de toute appartenance à un système, irréductible à une totalité et comme réfractaire à la synthèse écrit Levinas ce mot réfractaire dit bel et bien une résistance, une résistance à la guerre et à la paix à partir de la guerre à une certaine chaleur, à un certain confort qui serait euh, le, 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 la chaleur et le confort de la synthèse, c'est à dire la chaleur et le, et le confort d'une certaine solidarité, de la solidarité tendanciellement sans reste de l'être et de la vérité, et aussi de, de, de la chaleur de la communauté, bien sûr, de la communauté où, comme dit Levinas, ne bait un verbe qu'il affectionne, béance, mais qu'il verbalise justement, une béance verbalisée, ou ne baît aucune différence, dit-il. Ce, ce réfractaire, lévinassien déplace donc quelque chose qui irait de la philosophie à la philosophie, mais ce déplacement effectue dans la philosophie et au-delà d'elle, euh, dans toute la geste lévinassienne, il y a, il y a le, ce travail continué d'un au-delà-dans, euh, c'est ce qu'avait très bien remarqué Derrida pour la politique, mais je, on, on peut étendre euh, ce, cette remarque. Euh, dans la philosophie, donc à même la philosophie, entre la philosophie et la philosophie, dans son écart même, mais au fond, de, 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 depuis, depuis les Grecs, la philosophie se tient dans cet écart, se jouerait l'aventure d'une disproportion, l'aventure d'une transcendance, l'aventure de ce que Lévinas appelle désintéressement. Qu'est ce qui est mis en jeu ou plutôt, comme dit Lévinas, qu'est ce qui est mis en question par ce réfractaire? C'est bien sûr, à nouveau, toute la question de la philosophie et de la philosophie de Lévinas qui est ici posée, reposée, rejouée. C'est la question du commencement. D'un commencement qui ne commencerait pas avec l'appel de la vérité, avec l'exhibition de l'être, mais qui commencerait avant eux dans l'éthique, dans ce que Levinas appelle l'éthique, c'est-à-dire dans un appel d'avant l'appel. Alors, non pas Simplement selon une antériorité où la chronologie au fond euh, serait maintenue, où elle retrouverait même ses titres, où une philosophie première viendrait se substituer à une autre en exhibant au fond son droit d'aînesse euh, en quelque sorte, et ce, ce qui n'affecterait pas l'ordre synchrone de la succession de toute façon. Euh, quand, quand Lévinas dit appel d'avant l'appel, il faut. Euh, comprendre l'expression le, selon l'emphase et la surenchère qui est la sienne propre, c'est-à-dire selon une intensité bien plus vive, bien plus douloureuse, mais bien plus sublime, comme dit Levinas. Euh, je vous rappelle ce propos qu'il a dans un des textes recueillis dans De Dieu qui vient à l'idée. L'éthique est en quelque façon plus ontologique que l'ontologie, une emphase de l'ontologie, plus sublime que l'ontologie. Ce que l'éthique ainsi désigne, c'est au fond un autre lieu, un archilieu où se tient la subjectivité, où se tient le non lieu de la subjectivité, et où par conséquent s'ouvre sublimement, comme dit Levinas, immémorialement, ce que la philosophie, comme ontologie, si on veut, ne peut qu'après coup en recueillir, pour en révéler le sens, sûrement, pour l'articuler en thème, mais comme sans trace, comme sans écho, c'est à dire sans origine autre qu'un commencement dans la conscience où tout se montre, où et, devrait on dire, dans l'histoire où tout se rassemble, où tout se retrouve. C'est ce que Levinas appelle évidemment pour euh, la révoquer en doute la possibilité de la philosophie comme transparence, et à quoi il oppose l'épreuve d'une marche forcée je cite aussi cette, cette petite phrase de, de Dieu qui vient à l'idée Je ne crois pas que la philosophie soit possible comme transparence elle serait bien plutôt marche sous un soleil sans ombre, dit il. Il y a donc une autre origine que ce commencement, il faudrait mettre là aussi des, des guillemets, il y a tout un jeu de guillemets chez Lévinas, un peu comme chez Heidegger d'ailleurs, euh, euh, à quoi il faut être très, toujours très attentif. Il y a donc une autre origine que ce commencement, une origine d'où les guillemets, euh, à quoi je n'atteins jamais, euh, pré dit euh, Lévinas, et qui me signifie, à l'instant du visage, à l'instant où elle vient me, me frapper, que ce que je ne je parviendrai jamais à récupérer ce que je ne pourrai jamais fixer dans un choix ou dans une décision, ce que je ne pourrai jamais dominer subjectivement, eh bien, c'est cela même qui, pour moi, vaut vie et mort, vie ou mort, euh, à savoir l'altérité d'autrui. Voilà ce qui m'importe au plus haut point, voilà ce qui importe au plus, au plus haut point à mon existence, Bien, bien davantage que le, le, les sagesses du s'aimer soi même, les conduites en vertu de l'utile, que, que nous, qui nous sont vantées par toutes les variétés de stoïcisme. Ce rapport impossible à ce qui m'excède, à ce qui me déborde, à ce qui m'investit, euh, je ne pourrai jamais le traduire enfin. Je, je pourrais, mais je, je, je changerai de sphère et d'instance, le traduire en, en assumable, en pensable, euh, c'est à dire ce non lieu où ce dont je ne serai jamais le maître l'altérité me saisit et me traverse, c'est au fond mon existence même. Voilà ce qui, dès lors, importe au plus haut point à la philosophie, qui se, qui se trouve, qui se voit ainsi rendue, malgré soi peut-être, euh, attentive à l'excès de sa propre expression, et euh, contrainte qu'elle qu qu est désormais de se porter vers ces zones arides euh, où nul refuge ne s'offre au dire, où le, ce soleil sans ombre du dire chasse toute transparence du dit si l'amour de la sagesse est le commencement de la philosophie le commencement de la sagesse de l'amour est hors lieu hors commencement je cite euh, un petit passage d'autrement qu'être que au fond je n'ai fait qu'illustrer euh, et que lévinas ramasse comme ça en trois phrases le problème consiste à se demander si le commencement est au commencement si le commencement comme acte de la conscience n'est pas déjà précédé par ce qui ne saurait se synchroniser c'est-à-dire par ce qui ne saurait être présent par l'irreprésentable si une anarchie n'est pas plus ancienne que le commencement et la liberté c'est entre autres me semble-t-il entre autres choses la raison pour laquelle la philosophie première de Lévinas ne peut pas se réduire à une sorte de transcendantalisme éthique qui se contenterait de substituer un commencement à un autre euh, et qui se ramènerait en fin de compte à la quête d'un autre fondement, à la recherche d'autres conditions de possibilité, à la rigueur c'est la, la démarche de totalité infinie quand, quand Lévinas parle dans Totalité infinie d'un autre être euh, et non pas d'un autre manquêtre là où euh, l'humain comme dit Lévinas se profile justement comme l'autre de tout commencement, l'autre du commencement, l'autre de la condition de possibilité, l'autre du fondement. L'approche de l'humain désigne une mobilité, c'est un mot qu'on que, qu trouve dans, dans quelques passages d'autres de, de, manquettes qui me paraît euh, enfin, avoir retenu peut-être insuffisamment l'attention la, la, de, des, des lecteurs de Lévinas, une mobilité. Euh, et cette mobilité, ne peut pas se fonder, dit Levinas, sous peine de se transfigurer en, en mobilité simulée, en faux mouvement. Euh, je, je cite, je, je m'arrête pas longuement sur ce passage, mais je cite quand même cette petite phrase. Toujours dans, non, ça c'est dans De Dieu qui vient à l'idée. Fondement, dit-il, est un terme qui est fait pour un monde qui est avant tout ce qu'il supporte, monde immobile. Et ça tombe sous le sens, d'une certaine façon. Le fondement euh, ne peut pas être mobile. Monde immobile, le repos par excellence, le même par excellence. La question de la philosophie, à partir des quelques éléments euh, que j'ai que que disposés, là, sans doute, tout, euh, rapidement. Et... La question de la philosophie se tient, donc, entre ce qui est premier et ce qui est dernier. Entre arché, et Escatone. Et donc, je le répète, toute philosophie première, fut-elle signifiée par l'éthique, est précédée, est en quelque sorte rattrapée par un autre commencement que celui qu'elle qu intime à, à l'ordre de son propre commencement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une éthique d'avant l'éthique. Euh, et si la philosophie, Lévinas le, le répète souvent, en particulier dans, dans Autre Manquette, si la philosophie peut bien avoir le dernier mot, euh, ce mot de la fin, qui n'en finit pas, ce mot de la fin avec quoi la philosophie n'en aura jamais fini, n'épuisera jamais, c'est la raison pour laquelle ce mot de la fin est un mot de la fin sans cesse euh, réitéré, recommencé. Euh, la, la philosophie euh, ne, 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 ne pourra jamais l'épuiser jusqu'à en épuiser le dire ultime. le, le dernier mot de la philosophie, Pourra-t-il jamais totaliser un sens ultime dans un dit et parvenir à dire, du coup, la fin du mot hein. Ce ne serait, serait pas le mot de la fin, ce serait la fin de l'exercice même de la parole. S'il y a une éthique d'avant l'éthique, c'est l'abîme d'une responsabilité qui précède tout commencement, euh, qui précède la liberté, qui précède la présence d'esprit. Il y a aussi, à l'autre bout, si je puis dire, un résultat d'après le résultat, un ultime d'après l'ultime, et c'est encore l'abîme de la responsabilité sans terme et sans arrêt, c'est-à-dire sans, sans, sans virement en satisfaction, sans virement en injuste satisfaction, comme dit Levinas. Il y a donc, c'est ça, l'infini de l'éthique, par les deux bouts, comme je le disais. Et cet infini de l'éthique se donne au questionnement philosophique, et à, à la façon dont le questionnement philosophique a à se, à se constituer, à s'articuler, à comme un défi, une tâche, un, une invention, euh, dans quoi se tient, à mes yeux, le, 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 la philosophie de Levinas, dans ce qu'elle a de radical. Euh, alors, euh, on retrouve ici me semble-t-il, le, le, ce qui était l'enjeu de départ, le, les petites phrases d'autres enquête dont je suis parti, on retrouve donc cette question de la vérité comme question, la vérité comme disjonction avec son appel, et le, le, ce, ce desserrement de l'emprise de l'être dont parle Lévinas, travaille aux marges de la vérité exhibée entre l'excession préoriginaire du premier. Et le débordement en, en dédire infini du dernier. Le, le, le philosophe lévinatien, ce serait ce desserrement, comme il dit, ce desserrement des, des, des bords extrêmes du philosophe, euh, principe et, et, et télos de l'être qui aurait à être desserré. C'est un philosophe à l'infini, euh, comme je disais en commençant, entre philosophie et philosophie entre ces centres de gravité d'une part et ces marges ou ces confins euh, insaisissables euh, et c'est là, c'est précisément là que se noue le caractère emphatique euh, de surenchère sublime dont parle Lévinas ça signifie que ce philo le philosophe lévinasien n'est évidemment pas un moins que philosophé tout comme l'éthique n'est pas un moins que l'ontologie il est un surphilosophé, ce que j'appelais en commençant en rajouter, ce geste qui consiste à en rajouter, euh, la vérité de toute véritologie euh, n'est jamais assez vraie euh, parce qu'elle ne part de la vérité rationnelle qu'en se fondant sur ce départ. La vérité appelée par le visage et elle seule est un, ce, 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 ce départ inquiet dont parle Vinas euh, et toutes ces, ces métaphores du beau risque du voyage. Et c'est cette vérité là qui défendent hein, je reviens à mon idée euh, qui, est, qui est celle de Lévinas, à l'idée lévinasienne de mobilité qui me paraît si riche, elle, elle défend toute philosophie première, bien sûr, et toute vérité dernière. Euh, le, le, un dernier mot euh, peut-être ici quand euh, euh, enfin Lévinas souvent euh, a caractérisé son effort philosophique dans, dans les termes d'un déplacement radical du sensé. Je cite euh, une petite phrase d'entre de, nous. Le savoir révèle le sensé et permet de le dire. Mais, ajoute-t-il, il, il n'est pas pour autant le lieu de l'ultime articulation du sensé, car, précise-t-il, il ne laisse pas de traces dans le sens qu'il révèle. Sauf à reconduire ou à reposer la possibilité d'un sens ultime, ce que tout dans la pensée de Lévinas me paraît interdire, l'éthique est bel et bien quelque chose comme l'endurance d'un non-sens. Ce mot n'est pas bon, mais euh, descriptivement, je, je le maintiens pour faire vite. Euh, pour autant, d'ailleurs, qu'il n'y a, qu a de sens que de l'être, à rigoureusement parler. Hein. L'être tout court du début de la grande logique hegelienne. C'est un immédiat. Ça ne peut être qu'un immédiat, c'est-à-dire un absolument et immédiatement médiatisable. C'est la condition de son sens. C'est la condition de son advenu médiatisé au sens. La quête lévinassienne se, 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 se porte vers ce qu'il appelle souvent une autre articulation du sensé, un autre lieu par où le sens pourrait advenir, un sens tout autre. Faudrait-il préciser, euh, un sens qui ne ferait pas philosophiquement sens, si je puis dire, que Lévinas appelle raison préoriginelle. Il tient à l'appeler raison, hein euh, raison préoriginelle, raison anarchique, euh, raison d'avant la thématisation de la signification, dit-il aussi. Euh, et cette, cette endurance euh, de quelque chose comme un, un insensé euh, a à en passer, bien sûr, par. La patience, qui est aussi une impatience, il y a aussi chez Levinas un, un, un nœud comme ça entre patience et impatience, qui me paraît, qui m'a toujours paru extraordinairement intéressant, une patience ou une impatience euh, du refus du sens. C'est-à-dire que, au fond, l'éthique est euh, euh, l'épreuve, une certaine épreuve, une certaine modalité de l'épreuve de l'insignifiance du sens, de ce que Schelling appelait l'inconcevable de ce que Levinas appelle un signifié avant l'être c'est exactement la même chose qui, 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 qui est signifié là c'est à dire d'une destruction à, à, à vrai dire insensée il faudrait, il faudrait montrer mais on aura l'occasion tout au long de ce colloque de le faire comment l'État, l'instance politique, joue un rôle central dans cette, dans cette question de la, du pourvoi du sens, de, de légitimation logique de, de, la, de la correspondance. Une destruction donc d'une certaine consubstantialité entre le sens et l'être, et cette destruction, la destruction de cette consubstantialité, c'est ça le désinteressement. Alors, je voudrais pas laisser euh, entendre comme ça qu'il qu faudrait, qu'on pourrait, à partir de Levinas ou que j'aurais moi l'intention d'opposer une philosophie du sens que Levinas appellerait l'ontologie à une philosophie du non-sens qu'il appellerait l'éthique. D'où la réserve que j'ai sur cet usage de ces deux mots, euh, ou encore d'opposer, euh, au fond, une non-philosophie à une philosophie. Tout mon propos euh, s'inscrit en faux. Euh, pourquoi Parce qu'il y a, entre le sens et le non-sens, la philosophie et la non-philosophie, etc., ce que Lina s'appelle une, une ambiguïté. Euh, en quoi consiste cette ambiguïté Eh bien, dans, dans, dans l'incessant retournement de l'un dans l'autre. Retournement je, je renvoie à ce que j'ai déjà dit du, du silence euh, dialectique qui n'est pas un ineffable mais, une, mais un sens hypertrophié euh, retournement qui renverrait à ce que Levinas appelle bourdonnement intolérable de l'être, bourdonnement intolérable de l'être, c'est ça le silence dialectique dont je parlais tout à l'heure, euh, et toutes ces, toutes ces oppositions, en, en tout cas euh, celles que je viens d'indiquer la sens et non sens, euh, terme à terme, au fond arrivent toujours trop tard. Pour, pour reprendre l'idée même de, de la diachronie lévinassienne, hein. euh, si, lorsqu'on y a recours, à ces, aux dites oppositions, eh bien, c'est terminé. Euh, la, la question ici, strictement, c'est donc, si, si elle n'est pas celle d'une opposition entre philosophie du sens, philosophie du non-sens, etc., la question, euh, c'est la question d'un mode de philosophie, d'une façon d'interroger, d'une écriture de la philosophie qui est celle de Lévinas, bien sûr. C'est-à-dire qu'à une philosophie qui ordonne, qui ordonnerait l'ensemble de ses procédures, l'ensemble de ses significations à la production d'un sens ultime, ce que Lévinas appelle sagesse, qui serait à même de justifier l'être, viendrait se, 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 se confronter, s'affronter une philosophie qui ne cesserait jamais d'être attentive à une certaine résistance euh, résistance du non sens ce je, n'est pas ce soir que je, que je dénouerai le, 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 ce mauvais usage résistance du non sens que Levinas euh, qualifie de la façon suivante dans, toujours dans un, dans un texte de, de Dieu qui vient à l'idée question refoulée la plupart du temps, dit il, et qui remonte à la pointe extrême de ce qu'on appelle parfois à la légère maladie. Je, 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 je relis, je répète, euh, question refoulée la plupart du temps et qui remonte à la pointe extrême de ce qu'on appelle parfois à la légère maladie. Entre philosophie et philosophie se joue la capacité du philosophe à séjourner dans quelque chose qu'on peut appeler insensé. Qu'est-ce que c'est cet insensé Eh bien, c'est euh, l'être regardé depuis l'autre lieu de l'éthique et donc à faire l'épreuve d'un autre non sens, qui serait celui de l'éthique, regardée depuis le site de l'être comme une maladie, comme dit Lévinas. Dans un, des, un, un, un entretien inédit qui vient d'être publié par la revue Cité, Lévinas répond à une interview de la télévision hollandaise et, euh, un petit peu irrité, il a ce mot à un moment euh, la journaliste lui, lui reproche masochisme etc. et il, il a ce mot extraordinaire, il dit toute maladie n'est pas bonne à soigner et puis il envoie comme ça balader la journaliste euh, en effet, toute maladie n'est pas bonne à soigner si le diagnostic en question la maladie est porté par le sens, alors là il faudrait écrire ça avec une grande lettre majuscule ou par la bonne santé Bonne santé, qu'il ne faut pas confondre avec la grande santé Nietzsche, hein, parce que je, je crois qu'au fond, dans l'un et l'autre cas, chez Levinas et chez Nietzsche, même si ça n'a rien à voir, euh, il s'agit bel et bien de s'affranchir de quelque chose comme euh, cette, cette assurance de sa bonne santé satisfaite, qui est celle de la, de la philosophie. Euh, le le philosophe, s'il entend donc ne pas s'exercer à la légère, comme dit Levinas, à, à s'aventurer, à se risquer, comme dit très souvent Lévinas, vers cette question refoulée de toute métaphysique euh, vers cette maladie euh, l'autre homme, le visage, l'appel. Euh, Lévinas ne renonce pas à, à désigner, de façon peut être au moins partiellement euh, aporétique, un autre lieu du sensé, je reprends ces mots, lui-même a de la difficulté justement à dire ces choses-là, hein. un autre lieu du sensé, que celui de la bonne santé, en quelque sorte, que celui de la, de la saine synchronie, ce qu'il appelle un sens se refusant à la simultanéité, n'entrant pas dans l'être, ne composant pas un tout, dit-il. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler une inspection éthique de la question philosophique du sens. Et cette inspection éthique de la, de la question philosophique du sens consiste pour Lévinas à se demander ce que signifie le dire avant de signifier un dit, avant de se faire, comme il dit, l'appariteur d'un sens. La maladie révélée, la maladie ainsi révélée, a une philosophie assurée de sa bonne santé et donc un diagnostic porté sur la production du sens comme exhibition de l'être. Sur la vérité qui s'y montre, et je n'ai pas eu le temps de, 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 de m'attacher à, à ce philosophème qui est contenu dans la petite phrase d'autre manquette dont je suis parti, sur le regard du philosophe lui-même, sur le qui regarde. Ce qu'on pourrait dire euh, pour finir, c'est que, ce, que ce, qui nous, ce qui là nous est enseigné, c'est tel est es regardé qui croyait regarder, euh, en quelque sorte. Et euh, désormais, avec Lévinas, par Lévinas, pourrait -on dire le visage nous regarde, c'est le visage qui nous regarde. Je vous remercie.